Yo tout le monde! Yo yo yo! Merci beaucoup Kiwax, merci beaucoup Pipouz! Salut Ouli! Ouli Mori! Et salut salut! Salut tout le monde! Merci beaucoup pour les follow déjà! Merci beaucoup! Bienvenue, bienvenue sur la chaîne! Ce soir, petit stream tranquillement! Salut Zay! Salut salut! Salut salut! Salut Jouga! Ce soir, petit stream tranquillement, on va faire la suite des RWC. Ouais, il y en a du monde. Kelzer Army ou un truc comme ça, je sais plus, je suis plus à vos chez lui. Ne raconte pas ta vie. Ah ouais, c'est ça, ouais. on va faire la suite des RWC ce soir, les amis. Ce soir, nous avons une équipe que j'ai pas encore tellement regardée en réalité, et une équipe que j'ai déjà vue quelques fois, que j'ai déjà vue quelques fois. L'équipe que j'ai encore pas tellement regardée, c'est Olympus Hells, que j'ai pas encore tellement eu l'occasion de voir sur cette chaîne. On a juste regardé en coup de vent en général, on est passé sur leur map. On est passé voir un petit peu les matchs, mais on n'a jamais vu l'intégralité. Donc ce soir, c'est l'occasion. C'est la première fois et on ne peut pas être partout malheureusement. Par contre, Daytona, on est déjà tombé dessus. Daytona, une équipe quand même plutôt. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les conditions d'utilisation de Twitch, on verra plus tard. Bah les couilles. Daytona, une équipe qui sent bon le, tu vois, assez vénère pour le coup, un petit peu toxique dans son genre, avec du retrait PA, retrait PM, mais une équipe très très strong, avec un bon Sacri Xel Sadie et Olympus Hells qui aligne Sacri et Nucra. Alors moi, je l'ai déjà dit, je suis pas très fan du Kra dans la méta 3v3, mais j'ai eu l'occasion de discuter aussi avec les joueurs qui m'ont dit que Kra pouvait tirer son épingle du jeu et qu'il l'a déjà fait dans d'autres tournois. Donc pour le coup, je me souviens pas, j'avoue. Pour le coup, j'avoue ne pas me souvenir de ça. Mais attends, wap, c'est map F au final. Oh, génial, parce qu'il y a marqué map A, il y a marqué map F, map 1. Je vais pas y arriver. C'est une dinguerie. Pourquoi j'ai marqué map 1 chez moi là? C'est une singerie cette histoire. Changer son orientation, bam, boum. C'est quoi les maps? Au final, il y a marqué 1, 2, 3. Chez moi. Ok, j'avais des renseignements qui étaient faux. Ça fait pas plaisir. F1 et X. Non mais putain, mais pourquoi? Yes. Bah super, je me disais aussi que c'était bizarre. Ok. Merci beaucoup de m'avoir prévenu. Putain, je serais resté là-bas comme un débile. Hein. Bon, on a de nouveau Pyrolito, Farman et Kempa face à Pomme, Xor et Excitation. Heureusement qu'ils m'ont prévenu les joueurs parce que sinon c'était la catastrophe. C'est en train de faire n'importe quoi. Bam. Bam, bam, bam. Bon, on a du monde qui vient regarder. Ça, c'est cool. Mmh.
Ah, ciseaux Shaitan. Aïe 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 aïe. 1 million. C'est quoi cette musique de bachata? T'es pas ça trop bachata comme ça mon gars là? On se prépare pour demain mon gars. Demain danse avec les Restas. T'inquiète pas, je vais arriver sur la scène. Twin que quand y'a pas de Kama en jeu. Exactement, c'est Dalcy mon gars. Grosse surprise, demain j'arrive. Petite danse en duo avec Stylo Bic. Oh là 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 là, ça va être incroyable. On va faire un tango argentin, mon gars. On va se mettre bien. Dalcy avec Stara. C'est parti, les gars. Nouvelle émission. Oh là 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 là. Oh là 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 là, disqualifié. T1, disqualifié. Comment on banane avec les points chaînes? Tu veux dire comment on banne? Ouais, comment on banne, pardon. Comment on banne? Bah avec... Tu dis juste qui tu veux bannir. S'il est dans le chat, je l'attrape et je le sors. Pourquoi je dis banane? My bad. Ok. Premier tour, Xor qui pose directement son chat à faire foulancier. Voilà, ça se passe comme ça. Et si tu veux contreban, tu peux contreban en cliquant sur contreban. Je vais laisser 5 minutes. Et voilà, bon, petit roulage de paix, petite chance, il y a tout qui a crit. Ça commence plutôt bien. Bon, le chat faire fou qui lance pas son... qui lance pas les PA parce que voilà, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme res? On a blindé les resters de l'autre côté, pas beaucoup de blaze de res haut. Pareil, pas beaucoup de res haut, pas beaucoup de res haut, mais un peu lisse de tous les côtés sur Kenpachi. Pomme, un peu pareil aussi. Ok, on commence direct une transpo coop avec Pyrolito. Xor qui se retrouve en milieu de la mêlée. Méchant Juga. Ok, y'a rien à faire. Allez, tu prends ton petit 10 minutes. Hop là, mon pote. Petit tour de terrain. A tout à l'heure. Ok, ça balance une display pour Pomme qui est pas sûr de détacler, je pense. En même temps, on sait jamais. Il a bien raison. Un petit chat faire fou cette fois-ci. Pas crit. Salut Lourna. Ça balance un œil de taupe sur tout le monde. Il y a eu. Comment ça s'appelle? La douleur partagée qui a été passée. T'es belge, t'arrête pas du tout. Ok, on est un chat frit de tous les côtés. Ça commence à se protéger, à filer des PA. Il vient d'où mon petit accent? Ah, malheureusement, il vient d'Alsace. Malheureusement. Oh, ça commence avec le retrait PA. Ça commence bien même avec le retrait PA. Enfin, plutôt bien, vu qu'on a perdu 2 PA. Comment ça, malheureusement? Je suis pas très fan de notre accent, pour pas te mentir, Ouli. Je suis pas très fan. Surtout quand il est archi prononcé, genre... Aïe, yo, comme c'est beau. Si je que, tu vois. Ça, j'aime pas du tout, tu vois. Quand on tronçonne les mots comme ça, à coup de... Tu vois. Je trouve ça désagréable. Tu vois, j'aime pas trop enfiler mes petites bottes en cuir et tout, quoi. Aidez-moi en voc. Comment ça, aidez-moi en voc? Bon, du coup, on a récupéré son Enu. Tu vois, alors qu'un accent marseillais, tu vois, ça chante et c'est bien. Par exemple, un accent du sud. Ça, c'est bien. Ouais, l'accent du fin fond de la cambrousse, c'est chaud. Ouais, c'est vraiment hard. Bref. Ça pose un petit tarp pour protéger des lignes de vue. Ça commence à cancériser la map à base de surpuissante, à base de gonflable. Cette map est assez technique, je trouve, parce qu'elle offre beaucoup de... Elle offre beaucoup de lignes de vue, ou plutôt de non-lignes de vue. Il y a des gros blocs un peu partout, pour le coup. En tout cas, il est important, insupportable. Il commente. Ah, bah, y a pas de problème. Pas de problème, mon gars. C'est des choses qui arrivent.
toute façon, Juga m'a toujours chié à la gueule. C'est comme ça. C'est une chose qui arrive. Je suis un zéro, ouais, je vais me faire aligner. Je vous connais. Je suis concentré sur le cast là, désolé. Je viendrai un autre jour, une autre fois. De toute façon, je suis pas dans vos mauvais tours, moi. Bon, ça commence à se préparer. Ça se joue de loin pour l'instant. Ça pose un peu le jeu. Ça a surtout. Comment dire. Ça a surtout contré le transpo coop de Pirolito. Il va t'animer le stream. T'inquiète, moi j'anime. C'est pas un problème d'animer, c'est un problème de. Voilà quoi. Bon, il y a deux chaffes. De l'autre côté, ça, on sait que la dernière fois qu'on a vu Daytona, ça s'est vite parti en steak parce qu'il commençait à avoir trop de PA en face. Et surtout avec le kick PA de Kempa, ça creuse encore un plus grand écart. Ce qui finit par causer la perte de la team en face. Donc il va falloir jarter très rapidement l'échafe. Il va falloir essayer de contrôler un petit peu et de tenir en laisse Kempachi. Ça va être très très compliqué. Xorf qui a pas encore lâché la Cupi. Mais certainement que ça va partir sur Kempachi. Il va falloir le tenir en laisse, de toute façon, ce Xel. Hein. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, du coup, pardon, pour ceux qui n'auraient pas suivi, on a Olympus Hells en rouge avec Sakri, Enu et Kra. Et on a bien Daytona tout à l'heure. Enfin, depuis tout à l'heure, ici en bleu. Avec Kempachi en Xelor, avec le Sadida Farman et Pirolito en Sakri. Merci beaucoup pour les follow, Reitan et Kek. Et bienvenue sur le stream. On arrive bientôt à 666, le chiffre du Shaitan. Ok, un petit chat faire fou crit, petite douleur partagée. Il s'est fait tacler par le Doppel. J'allais dire. Je croyais que c'était fait d'accler par un cadran, mais pas du tout. Vous ne pouvez bien le faire chez le Xela avec les EDT et 50. Ouais, clairement, ouais. Merci beaucoup, Yassap, pour le follow. Attends, mais... Yassap, t'es passé hier. Je reconnais, ça, c'est un unfollow, refollow, ça. Attendez, est-ce que je suis... Ok, j'ai eu peur. Ok, en poison para sur le Sakri, je pense, non? C'était ça la zone. Petite herbe folle. T'avais pas follow? Ok, bah t'étais juste passé alors, my bad. tranquille. Bon, pour l'instant, on pose tranquillement son jeu. On a quasiment tous les doppels qui sont sortis du côté bleu. On n'a pas encore de doppel du côté rouge. Et ça va surtout donner beaucoup de choses à faire du côté Guxorf. Pas de le menacer, mais de le tenir en laisse de leur manière. Et de le limiter tout simplement dans ses actions. Mais bon, là on a tombé déjà deux de leur doppel. Et des PA qui tombent, ça c'est une très très bonne nouvelle pour l'équipe rouge. On a aussi des PA qui sont partis du côté bleu par contre. On va dire que ça se compense pour l'instant. Ok, ça vient essayer de tacler. Après, Pomme, il a directement en ligne de vue... Oh, ça redonne encore 3 PA. Ils sont déjà en 21 PA. 18 PA et 18 PA. Oh la vache.
Ça commence déjà à devenir la foire à la saucisse. Ok, sa flèche de dispé. Ça lance une petite expi pour tenir en laisse Kempa. Ça le bloque avec une kawotte, ça c'est très très bien vu. Il va pas pouvoir claquer sa TP, il va devoir taper un peu dans cette kawotte avec des grosses frappes du Xelor. Ça fait 8 PA d'utiliser, il en a plus que 13. MDR, c'était ce qui était proposé de base pour le tournoi. Ok, ça commence à virer 2 PA sur Excitation. Ça retire 2 PA, 3 PA, ça fait déjà 5 PA de retirer sur Pomme. Ça va, il reste en 10, ça reste jouable. Oh, le pendule qui lâche son sort et qui fait perdre un PA à Excitation encore. Ah non, qui esquive. My bad. Ouf, tant mieux. Ça tente une arachnée crit, ça passe pas, malheureusement. Une première arachnée qui veut pas passer. Ok, ça veut essayer de tenir Farman. Ou en tout cas de l'obliger à lâcher au minimum une libé, j'imagine. Ça booste un petit peu ses alliés. Oh, il y a 2 PA encore en plus qui tombent. Ça, c'est très très bon cette histoire. C'est très très bon. On récupère un peu de PA du côté rouge. Ok. Ça vient debuff Pomme. C'est vrai qu'il était dangereux avec toutes ses PA et toutes les et tout ce qu'il a pu poser jusqu'à présent. Et la maîtrise des baguettes et ça vient retirer. Ok, ça retirera aucun PA, mais ça vient taper sur Pomme. Dommage qu'il n'a pas reculé le sacré au lieu de mettre Kawotte. Après, c'est des moves différents. Ok, Se faire plaisir, toujours au... ça a debuff à la première pelle fanto. Ok, Kempa qui perd beaucoup de choses. Ok, on est très très content, un très très beau tour du côté de Xorf. 2 sur 3. Une petite clé réduite dans le sacri qui reste quand même à 18 PA. Ok, ça tape aussi à la baguette. Sûrement une trail encore une fois. Ça va charger Pomme. Oh la vache. Oh là là, il a déjà descendu si bas. Il est déjà à un tiers life, Pomme d'Api. C'est terrible. Et Pomme qui a lâché sa dispée, je crois, le tour d'avant. Et surtout qui est en 7 PA. Ça, c'est terrible. Qui va mettre du coup un petit coup d'Arcadie, une petite flèche immo dans Farman. Kenpachi qui est en 13, qui peut TP s'il le souhaite, qui peut commencer à bouger dans tous les sens. Et Excitation qui va devoir surtout aller soigner son mate. Et du coup, qui se fait un petit peu ras le PA. Kempa qui donne tout. Excitation qui est en 8. Mais il est en 8, 0 PM. Donc pour aller chercher Pomme, ça va être terrible. Hein. Ça va être terrible. Sachant qu'il a déjà transpo coop normalement. Qui va mettre juste un sacrifice. Ça commence déjà à être complexe, ouais. Effectivement. Kempa qui est de retour en 15 grâce au don PA. Ça joue beaucoup en 13-5, hein, n'empêche, de manière globale. De manière globale dans les matchs. Ok, ça fait un petit sacrifice poupesse dans le chaffaire foulancier. Ça met un poison dans le sacri. Ça a pas crit, le poison paralysant. Il va te voir taper dans Pomme, je pense, non? Merci beaucoup pour
Le follow rise. Oh, l'arachné majeur crit. Et une gonflable de nouveau. Elle a d'abord croûtage, cette idiote. Et du coup, Pomme qui est toujours sacrifiée. What the fuck. Ok, Pyrolito qui se retrouve Coru, ce tour-ci, il aura pas le droit au Booner. Et Pomme qui se retrouve droit sur Kempa. Qui a quand même une ligne de vue, je crois, sur Farman. 13 PA. Double coup de cac, j'imagine. Ça tombe à 1800 HP. Est-ce qu'ils vont déjà essayer de le rock, essayer de le tomber ce tour-ci? Ça se pourrait, hein. Ouais, Pomme qui arrive à détacler. Est-ce qu'il va se barrer? Est-ce qu'il va revenir sur Kempa? Ouais, il va aller sur Farman directement. Ok, ça tente une arachné crit, ça va pas passer cette fois-ci. Ça va essayer de râler un max sur excitation, je pense. Ok, il met des démotes partout. Il enlève 2 PA à Xor. Il enlève encore des PA. 1 PA, 2 PA, 3 PA en tout. Oh là, mais attends. Est-ce que t'es en train de me dire que... Est-ce que là, t'as excitation qui est juste sur Farman là. Il a un 10 PA. Mais il a pas trop de boost. À quoi il joue, Exi? Avec quoi il joue? Transfert de vie. Ça booste Xor. Ça remet un petit transfert de vie. Et ça tape à la Racine City. On a fait 172 de dommages. J'arrive pas à le choper. Sur 47% neutre. Ça kick PM sur Xor. Les deux PM qui partent. Et ça fait de brousse. Mais du coup Pomme est toujours sacrifié. Et on sait qu'ils peuvent pas vraiment prendre de zone. Ils sont à la trail tous. Ah bah d'ailleurs, EC CAC. Bah décidément, déjà la dernière fois, ils avaient beaucoup, beaucoup d'EC CAC du côté de Daytona. Là, c'était sur la fin des PA, mais quand même... Quand même, ça fait toujours son petit effet. Et Xor qui passe totalement sur Farman. Farman qui se retrouve à 860 HP. Mais bon, Pyrolito va pouvoir aller soin. C'est le moment où il peut jouer. Il peut jouer son tour. Et là, on peut pas tellement le bloquer, hélas. Leclerc, bonjour. Bonjour. Oh, c'est terrible, les pubs YouTube. Bon, Pyrolito, il a qu'une seule chose à faire, hein. Balancer du PV à la mort. Ça soigne tellement pour 2 PA. Est-ce que moi, avec mon ennemi, je peux aussi soigner comme ça pour 2 PA ou non? Dommage. Oh là là, le C-trail là là, au premier coup. Oh non, mais Daytona, mais qu'est-ce que c'est que ça? Merci beaucoup, regarde. Régalade. C'est abusé. Le match qui est en train de tourner totalement à la faveur de Olympus Elves. Bon, Farman qui a repris quand même un petit peu d'HP. Hein. Et Pam qui se fait tacler par une arachné, d'accord. Qu'est-ce qu'on retiendra de cette histoire? Une arachné meilleure que Kempa en termes d'agilité. Belle histoire. Et ça va aller chercher à légumiser Xor, qui passe en 15, qui passe en 13. On en met un peu partout. Horloge pour retirer un PA. Ça met un ralentissement sur Pomme encore.
et un gros flou sur toute l'équipe adverse. Et le cadran qui re-enlève, qui retente d'enlever un PA. Et qui arrive à l'envoyer, à l'enlever à Excitation et à Xor. Excitation qui commence du coup en 9 PA. Mais il a une zone. Une zone pour soin aussi. Il a tué une gonflable. Et je pense que... il vient essayer de kick... enfin, il vient essayer de tacler Farman et il a mis un petit pied de Sacri. Farman qui est toujours à 2k HP avec ce sacrifice poupesque. Qui met une petite ronce multiple pour avoir excitation x2. Et qui débuff Pomme. Qui balance un petit poison para. Je sais pas s'il va tenter le détacle. Il pourrait. Bon, il veut pas. Xor en 10 PA. Qui peut aller continuer d'aller sur Farman éventuellement. Ok, qui balance une maladresse de masse. Il a tout le monde en même temps. Donc il fait bien. Il pourrait claquer une retraite anticipée presque. Hein. Ok. Au final, ça décide d'aller taper un petit coup sur Farman. Ça va bientôt ce petit pupu du côté de Pyrolito. Il nous reste 8 PA. On est totalement au petit pupu. Ça pourrait tabasser Gexi. Gexi qui est du coup désopti de son côté. Ok, ça claque du détour. Dans tous les sens pour Farman. Pomme d'api. Qui pourrait juste en flin hein, pour se barrer. On a vu qu'il détaclait Kempa. Après ça coûte plus de PA. Donc je peux comprendre. Ça se maîtrise. Ça va mettre un petit coup. Oh ça y est. Le coup d'Arcadie qui est pas parti. Les EC qui commencent à toucher aussi Olympus Health. Ça nous dit qu'il y a une justice dans ce monde. Par contre, ils sont très bien placés pour les PA. Ok, ça, balance, ça se balance une protection avec lance. Ça continue à essayer de ral Xor. Oh, Xor en 6 PA déjà. Oh, oh la vache. On s'en repose un petit cadran. Ça commence à partir très très vénère là, les PA. Excitation qui est en 8. Xor en 6. Et Pomme, ça peut aller. Par contre, Xi, il faudrait qu'il se réopti pupu. Si possible. Et qu'il aille la placer sur Farman, peut-être. Il faudrait qu'elle crit cette pupu pour ça ferait du bien. ...840 à la pupu. Oh, qui perd 3 PA avec la maladresse de masse. Ok, ça s'est plutôt énervé. Par contre, ça se nourrit tellement bien sur ce chafflancier. Il reste 8 PA du coup à Farman. Merci beaucoup Alejandro pour le follow. Et ça met des grands coups de trail dans Pomme d'Api. Qui par contre a pas pris beaucoup de démotes. Ou alors c'est juste fait... ouais, c'est fait des buffs aussi, je pense. Xor qui maîtrise des baguettes. Et qui continue à tabasser Farman, encore une fois. Mais comme Pyrolito passe juste derrière... Ok, t'as Xor qui essaie de partir un peu. Il essaye un peu de s'excentrer pour pas avoir Kenpachi sur le dos. Mais bon, Kenpachi pourrait lancer une TP s'il veut. Ou juste avec quelques fuites, il peut aller le chercher aussi.
Ok, ça nous claque quelques petites vitas. Enfin, transfert de vie plutôt. Ça se détourne. Ok. Ça se régène un peu. Et ça met des coups de trail dans Xy. Une douleur partagée sur Farman. Ok, c'est au tour de Pomme de jouer. Et il a une petite maîtrise de l'arc. Une petite maîtrise de l'arc de poser. Et maintenant, on met la maîtrise des arcs. C'est pas la même chose, attention. Ça a mis 587 HP. Et ça s'est régène de 149, c'est n'importe quoi. Ok, on met... On vient qu'il s'échauffe. Par contre, on vient récupérer pas mal de vie de nouveau avec... Attends, mais il en a perdu plus qu'il en a gagné. Attends, Pomme, il s'est touché avec son œil de tout. Non, ok, d'accord. Ça met des grandes horloges. Wow, les moins 3 PA qui partent si fort. Xor qui est quand même en 10 pour le coup. Xy qui est en 7. Mais Farman qui est en très très mauvaise posture. Faut qu'il reste à 14 PA quand même, mais quand même. Xy qui est au bord du précipice, au bord du gouffre. De toute façon, il faut qu'il rentre dedans. Il faut qu'il leur rentre dedans, ils ont pas le choix. Ça cherche à le tacler. Et ça a douleur partagée, Pomme. C'est bien vu. Farman qui, on le sait, a la baguette et qui pourra pas faire grand chose là. Un petit sacrifice dans le chat faire fou à la limite. Un poison paralysant sur excitation. Qui a pas crit encore une fois. Ça change beaucoup. Hein. Une petite surpu, mais là on est déjà tellement collé serré. Ça met des feux de brousse, Xy qui a pas ses châtis. En même temps, il n'y a pas tellement le temps. Et du coup, on a enlevé 300 HP à ce sacri qui est déjà à un tiers life. À l'article de la mort, tout comme Farman. Oh, Xor qui s'est fait jarter. Est-ce qu'il va aller kill cette fourbe? Ok, il va peut-être manger la surpu. Retraite anticipée, tout le monde. Oh, les PA qui reviennent, ça c'est très très bon. Et ce sacré qui est un peu pied et poing lié. Il est un peu out là, de là où il est. Par contre, il peut donner des HP. Il peut se heal. Et filer des HP à Farman. Et Pomme peut totalement choper une ligne de vue sur Farman après avec une dispé, je crois. À moins qu'il ait déjà dispé. Très probable. Ok, ça se châtie du coup et ça passe tour. Ok, non, il avait bien la dispé disponible. Oh là là. Oh là là, s'il y avait eu un deuxième crit, Farman était totalement décédé. 115 HP, excitation qui est juste devant. Ouais, je suis chez eux, ouais. Je fais partie de leur guide. Mais ce soir, je suis là pour le tournoi avant tout. Même si, évidemment, c'est des collègues et des gens avec qui j'ai joué depuis un bon moment. Donc que je connais un peu quoi. Bon, ça retrait PA évidemment sur tout ce que ça peut. Mais ça reste limité du coup. Et ils vont devoir dire au revoir à Farman. Excitation qui reste quand même en 13 PA. Ça va être un premier kill. Je crois peut-être la première fois qu'on voit quelqu'un de chez Daytona s'en aller. Sur ce stream en tout cas. Le prochain, c'est clairement Kenpachi. Ça cherche à se régène. C'est normal. On n'a plus beaucoup d'HP.
Par contre, on est à 1 de trop ou 2 de trop. Ouais, on a 2 cases de trop pour la trêle. On peut lancer des petites désinvocations dans ces chasseurs foulanciers qui sont un peu chiants, dans ce petit cadran aussi. Ok, ça se donne. Ok, ça se donne les crits, ça invoque un chasseur fou. Ça tente une arachnée, c'est pas passé. Ça se met une chance, ça fait une petite maladresse. L'arachnée qui vient gratter quelques dégâts. Oh, les plus 3 PA qui font vraiment du bien. Par contre, Pyrolito qui est mid HP, hein, qui peut aller mettre sa pupu dans Excitation. Qui peut aller terminer éventuellement. Excitation qui a pas mis, je crois, de... Qui a pas mis, je crois, de dérobade. Oh si, il a mis la dérobade. Oh, je l'avais pas vu non plus. Il s'est totalement dérobé. La dérobade crit dans le vide. Oh là là, et Pyrolito qui se fait manger du coup. Oh là là, la dérobade. Oh, j'en fais trop, pardon. Bon, on en avait une hier de dérobade. De dérobade qui a esquivé pareil une punition. Bon, ça va essayer d'aller chercher à rincer Excitation. Ça va être son prochain tour, il va essayer de nettoyer les PA un petit peu. Un bon spell quand même, hein, horloge. Hein. Moins 2 PA, moins 2 PA, il sera en 8 PA pour chercher à aller terminer ce sacri. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Ça claque un GG! Ça colle un GG pour de Pyrolito. Daytona qui s'avoue vaincu. Hashtag gore, exactement. C'est lui-même, lui-même à qui je pensais. Ça cherche à se régène. Et à pas se faire tuer du côté d'Exi. C'est pas mal en vrai. Xor joue. Il faudrait que Xor arrive à... Bah, il a 19 PA. Hein. Là, une petite Axel, une tout coup de cac et on est bon. Non, même pas, attends, on l'a là. Oui, il me semble qu'on l'a de 1 encore. Ok. La Corus sur Kempa. Et on vient tacler Pyrolito. En tout cas, essayer. Aïe, 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 aïe. Le baroud d'honneur pour Pyrolito. 13 PA, 486 HP. Ça pourrait essayer de s'escape avec un transpo coop éventuellement. Voilà, transpo le cadran. On vient essayer de terminer ici peut-être. Mais là, malheureusement, ça suffira pas. 169, 186. Les PA qui tombent encore. C'est pas encore totalement fini, hein. Pomme qui est légèrement excentré. Et qui va peut-être taper sur Kempa. Il a rien pour se protéger, en réalité. Il peut venir mettre 3 coups d'arc. Et c'est des beaux coups d'arc. 500 sur le premier, 400, 666 sur le dernier. Et qui se retrouve mid HP, hein. Il est passé de full HP à mid HP, Kempa. Ah, la Corus, c'est vraiment quelque chose. La Corus, c'est vraiment quelque chose. Excitation qui vient terminer ce Pyrolito sauvage. Et qui vient pas de poser un chasseur fou là. Si, si, il vient de poser un chasseur fou. Ça se laisse quand même tuer du côté Daytona pour le spectacle. Ouais, l'arachné qui débuffe pas, ça a fait un peu mal, ouais, j'avoue. Ça a fait un peu mal. Après, ça fait qu'au final, c'est comme si l'arachné crit n'était pas passé. GG.
La vache. Alors attends, il m'avait dit quoi comme map, mon petit pote à la compote là? F1 et X. On est reparti. Bon, Olympus qui gagne le premier. Olympus qui gagne le premier. Hop. Ça c'était beau. Honnêtement, c'était très très beau. Ah, il y a Lilou qui est là de nouveau. Ah ouais? Ah oui, mais c'est normal, Ini. C'est parce que comme je stream sous la catégorie Dofus, il y a les drops qui sont activés, effectivement. Oui, c'est normal. Je savais même pas qu'il y avait des drops, qu'il y avait des drops actifs. Bah, mettez-vous bien, les gars. Hein. Mort de rire. Bon, le prochain mode, ça va se jouer sur une map avec tout autant de, avec tout autant de difficultés, je trouve. Il y a beaucoup, beaucoup de blocs qui empêchent les lignes de vue. Par contre, ça peut se jouer très, très serré, comme ça peut se jouer de très, très loin. Après, on voit souvent les équipes, on voit souvent les équipes se placer genre dans des diagos comme ça. Et se retrouver assez rapidement au corps à corps. On va voir ce que les joueurs vont décider ici. Mais clairement, pour moi, l'équipe de Daytona a besoin d'avoir, comment dirais-je, a besoin de poser son jeu un maximum. Ils ont besoin de poser leur jeu un maximum pour bien cancériser la map et bien contrôler les adversaires au mieux. On l'a vu tout à l'heure, hein, ils avaient commencé à poser leur jeu, ça se passait plutôt bien. Mais ça a pas suffi. Ça a pas suffi. Il y a eu aussi YouTube des. Premium, c'est Il y a YouTube eu sans pub et Non, mais sans l'application déconner les YouTube pubs là. Musique dans une même offre. On s'en fout. Il y a eu des petits ECK, c'est parti des deux côtés, mais on a eu deux ECK du côté Daytona, un ECK du côté Olympus. On va pas se mentir, les EC ont fait quand même peut-être plus mal du côté Daytona. Plus le fait que l'Arachnécrit est troll, mais sinon, ça revient à peu près au même parce qu'il n'y a aucune Arachnécrit qui est passée du côté Olympus. Et en termes de chaffeur fou, on était un petit peu even pour le coup. Et ouais, comme on nous le dit là actuellement, pour l'instant, l'équipe Olympus s'est toujours fait sortir par Daytona. Est-ce que la malédiction va être levée ce soir? Est-ce que Daytona va continuer à clouer le cercueil pour Olympus? C'est aussi pour ça que je suis là. C'est aussi pour ça que je suis là parce que je trouvais ça intéressant. Et je trouve que ça marque l'histoire pour ce tournoi. Je trouve ça assez marrant. J'avoue que ça peut vraiment être une histoire assez drôle.
que Olympus vienne venger tout le monde. D'où sort cette info? Elle sort de mon cul. Non mais je les ai vus détruire Olympus ou plutôt BGN, la team BGN l'autre soir. Et il me semble que ça a été le cas aussi pour Olympus New School, si je dis pas de conneries. Pas ce soir, Daito, pas ce soir. Ça pourrait, on va voir. Hein. On va voir ce que nous dit l'avenir. On va voir ce que nous disent les matchs. Kempa, c'est un ex d'Olympus? Ah ouais? Je savais pas. J'avoue que je connais pas l'histoire des guilds, des joueurs, etc. Je connais pas bien, j'avoue. Je sais pas qui était où, etc. Je suis pas trop ce genre de game. Je suis pas dans le mercato, moi. Je suis pas tellement dans le mercato. À la limite, je sais quand des joueurs sont cool parce que j'ai joué avec eux ou quoi. Ou quand c'est des joueurs un petit peu toxiques. Pareil, quand ils ont joué avec moi ou quand on l'a dit, mais c'est tout, quoi. Prédit de quoi? Vous voulez une prédit, les gars? Allez. Vous avez raison. C'est peut-être les moments pour faire une petite prédit. Commencez la prédiction. Qui gagne? Daytona. Réponse 1. Olympus. Els. Est-ce que je peux mettre Sadie? Sadie Sacri. Xel. Kra et Nu Sacri. Vous avez 2 minutes. J'y pense jamais, j'avoue, je suis désolé. Après, le flou, il s'accumule, peu importe ce que vous faites. Oh putain, mais attendez, mais je vais me faire strike, là. Ouais, je vais me faire strike, ouais. J'étais en train de laisser une musique de fou furieux, là. C'est le deuxième, là. Deuxième match, ouais. Exact. La Feng qui arrive. Feng Zhao, la légende. Bon, j'avoue que le 3-0 était pas mérité. Hein. C'était pas du tout raccord avec la difficulté du match. Il aurait pu avoir 3-1. C'est un bio 2. Le meilleur en 2. C'est bien ce que ça veut dire normalement, BO2. Hein. Je revérifie à chaque fois, mais normalement BO2 c'est ça. Hein. C'est BO2, c'est best of, c'est best en 2. Donc le meilleur en 2 il me semble. Non, BO3, c'est meilleur en 3. C'est meilleur en 3. BO3, c'est ça, ouais. C'est un best of 3. BO2, le premier à 2 win. En tout cas, il peut y avoir 3 matchs. En gros, il peut y avoir 3 matchs. Ça peut être 1-1 et ensuite ils doivent décider le gagnant. Attends, quoi? Il y en avait un qui était en 12-7. J'ai pas eu le temps de voir, excusez-moi.
Ça commence à tricher. J'ai pas répondu à quoi, excuse-moi. Le premier qui c'est qui a gagné? Pardon, excuse-moi, c'est Olympus. Olympus. My bad. Désolé, tu voulais peut-être savoir pour la victoire. Tout le monde est en 12-6 là. 13-5, 13-5, 12-6. Je t'en prie. Désolé. Ok, ça fait un chaff, ça a pas passé. Ça balance. Attends. Non, ok, j'ai cru qu'il y avait des dévouements son d'Apple. Quel Doppel qui balance le cadran, qui bloque un petit peu Xor, mais qui bloque aussi la ligne de vue de Farman éventuellement. Mais il est salement bien placé le cadran en vrai. Et du coup on a eu une map où ils se sont tous mis les uns à côté des autres. Ça tente un chaff, ça le passe pas. Pour l'instant il y a zéro chaff de passer du côté bleu. Un petit œil de taupe dans l'équipe. Il reste 4 PA. Maîtrise des arcs. Ça se rapproche pour aller prendre une ligne. Ça donne la PO. Et ça perd 2 PA du côté de Pyrolito. J'ai failli dire une dinguerie. J'ai failli dire une énorme dinguerie. Heureusement que j'ai pas dit. Alors le C sur la folie sanguinaire. Le match est fini. Désolé. Non, pas encore, pas encore. Ok, on a encore 3 PA, un petit châtiment spirit. Attendez, est-ce qu'on a changé les res? Il y a un petit changement de res du côté de Farman. On a beaucoup plus de res du côté de Farman. Et pas de changement de res du côté Olympus Hells. Farman qui a regagné, je crois, 20%. Il avait pas 40% haut, il me semble, tout à l'heure. Qui perd un PA. De la maladresse de masse, mais qui en a encore 13. Grâce au don PA du Bzel. Qui pose une surpu. Un Doppel. Qui va lui donner la connaissance et se cacher. Ça va bourriner en termes d'invocation de nouveau. Fol qui vient être posé en contact avec une petite bloqueuse. Xor qui va avoir du taf. Hein. Encore une fois. Xor qui a toujours du taf. Salut Plaisinou. Quelle toxicité, c'est pas bien ça. Ok, ça vient terminer ce Doppel Sadida très très vite, ça c'est bien. Merci à Xor pour cette action. Moyen d'invo, Nyon Sport. Parce que sinon les tours sont très très longs. Ok, ça vient claquer ça des invos aussi dans le Doppel. Le chat qui vient tout de suite mettre un petit coup dans les dents à Xor. Histoire de le mettre bien, quoi. Ok, ça commence les retraits PA. Oh là là, Xer qui est déjà en 7 PA. Oh, et qui se retrouve, ok. Bloqué avec un cadran, pourquoi pas. Après, c'est surtout les lignes de vue qui sont cassées pour Pomme. En réalité. Et Xor qui est du coup un peu plus du côté rouge.
Une map pour le Sadi. Écoute, je sais pas si c'est vraiment une map pour le Sadi, mais en tout cas, c'est une map avec beaucoup d'obstacles encore. Comme tout à l'heure déjà. Ça a claqué des petites flèches explosives pour virer ce Doppel. Ok, ça tue le Doppel Xelor, ça tue la surpu, ça c'est bien. Ça c'est très très bon, il faut pas les laisser placer leur jeu, hein. Ils ont pas le choix. Ok, ça se maîtrise des baguettes, donc on sait qu'ils sont restés sur un mode baguette réelle tous. Et ça vient tabasser Xor, ça retire un PA. Oh là 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 là. Le fait que ça retire juste un PA, ça c'est très très mauvais. Ça commence à remettre un petit peu de vie déjà. Ça booste ses alliés. Il devrait presque récupérer un peu de. Enfin, commencer à récupérer déjà de la vie, peut-être. Il y a les châtis à lancer. Effectivement. Châtiment osé qui est balancé. Et c'est ce qu'il fait, du coup. Hein. Il vient se régène sur les chats à faire fou. Ok, ça vient poser une folle, une petite gonflable, un poison paralysant qui part sur Xi, j'imagine. Exact. Et on se maîtrise des bâtons. Ok, on est passé au bâton par contre pour Farman, on n'est plus à la trelle. Ok, on avait qu'une seule pelle fanto à disposition et elle est partie tout de suite sur Kempa. Et surtout, elle a marché. On a 2 PA pour mettre éventuellement. Ok, un lancer de pièce sur cette petite folle, pourquoi pas. On va chercher à se cacher derrière le cadran. Est-ce qu'on va se mettre derrière encore ou est-ce qu'on reste là? On reste là, je pense. Ok, ça balance des contres, des motivations sur Xor. Ok, pour l'instant, ça esquive un peu les pertes de PA du côté d'Xi. Par contre, chez Xor, c'est parti. On a eu un chaffer fou, pas crit non plus. Pour l'instant, il n'y a pas un seul chaff crit sur ce terrain. Il faudrait que Daytona, faudrait pas que Daytona arrive à en poser un. Pour l'équipe Olympus et mais bon d'un autre côté ça pourrait totalement arriver. Ok, ça balance une petite harcelante pour virer la gonflable. Ça va kick les PM indirectement de Farman aussi. Ça se crée une petite ligne de vue. Ça vient de kick les PM avec la cinglante, ça charge une pupu. Bien joué le chaff. Ça c'est un truc que j'ai jamais. Enfin, ça c'est vraiment un truc digne d'un chaffer fou. Hein. Y a que les chaffer fous pour venir taper sur un contre alors qu'ils savent très bien qu'ils vont te mettre 0 de dégâts quand même. Enfin, bref. Porte bien leur nom quoi. Pourquoi il a mis des. Oh non, il a mis deux folies sanguinaires dans le mauvais chaff. Il l'a mis dans le cha... dans un chaff qui était pas à lui. Ok. Bon bah un tour de folie sanguinaire pour le pour Pyrolito. Ça fait des petites erreurs. Je suis un chaffeur fou. Ok, ça vient tacler Farman. Mais on l'a vu, la maîtrise des bâtons, je sais pas, je pense pas que ce soit un fake. Un fake cac. Il se retrouve avec un PA en moins, il a 11. Ils viennent de nouveau essayer de récupérer Farman. Oh, Farman qui détacle. Ok. Qui pose un arbre pour bloquer la ligne de vue aux alliés. Et qui met des petits coups du rhizome du Tinryl. Un rhizome terre.
Ok, ça vient claquer une des invocations, une première. Est-ce que ça va quitter son chat faire fou pour avoir accès à Farman? Ça pourrait, hein. Ça pourrait totalement. Ok, une Axel. Il vient plutôt le chercher du coup pour aller mettre des coups de cac. Et ça. Ça met une petite maladresse en plus. On a mis 385 quand même. Hein. Et il a perdu un PA. Ok, Kenpachi qui se met en Diago sur Xor, sur ses côtes, toujours. Qui met une première poussière, ça enlève 1, ça enlève 2. Ça enlève encore un PA, ça en enlève 3 en tout sur Xor. Il est tout juste, il a tout juste 7 PA pour éventuellement une cupie. Une cupie, une Corue. Ok. Ça crache des petites enflammées. Ouais, ça kick des petits PA là. J'aime beaucoup. Le Pyrolito qui perd 1. Et Farman, il a rien perdu. Quoique. Si, il a perdu un PA encore là, en tout cas, ça c'est sûr. En tout cas, ça prend des zones hein, du côté de Pomme, c'est bien joué. Ils sont en mode forcing Olympus. Ah, Olympus, ils savent qu'ils doivent bourriner vite et fort. En même temps, face à cette team, ils sont un peu obligés, je pense. S'ils les laissent trop longtemps se placer, ça peut être très compliqué. Xor qui a pris un gros coup de baguette rail et qui a perdu son PA. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Il a perdu le PA qui lui fallait pour claquer une Corue. Ok, ils vont mettre Farman de leur côté, je pense. Ça a sorti une Aztec R du côté d'Exi. Je crois qu'on l'avait pas vu encore. Ou alors c'est juste moi qui suis complètement fou. 42% res R. Ok, ça claque une Kawotte pour se protéger de Pomme. Encore 6 PA. Ok, il a fait un poison paralysant en crit. Ça, c'est le premier qui claque. Et il nous rajoute une petite folle qui enlève tout de suite les 2 PA. Ok. Xor qui a 6 PA du coup pour jouer son tour. Qu'est-ce qu'il va décider de faire du coup? Il est peut-être voire sûrement taclé. Ouais. Du coup il se retrouve en 5. Il avait quand même quelques petites maîtrise des baguettes en crit qui pose son sac. Il avait quand même quelques petites stats en plus avec les châtis déjà. Ok, les retraits PA qui passent un petit peu. Moins 1, moins 2. Re moins 2. Encore moins 2, il a 7. Il n'a pas sablier du Xelor par contre. Bah c'est parti sur Pomme. Qui malgré les pertes de res n'a pas perdu de PA. Il a one shot la Kawotte avec l'Arcadie. Il lui a suffi de 2 lignes. Ça vient kick PM. Il a la retenance de Pupu. Ok, une petite Pupu à 449 quand même. Et Farman qui se retrouve de nouveau 2K HP. Cette chaise qui grince un peu hein, quand même, faut le dire. Hops. Ok, ça vient claquer de la petite transfert de vie sur Farman. Et les deux sacrés qui arrivent bientôt au petit pupu. D'ailleurs, je pense qu'il va aller en claquer une première là. Voilà, petite pupu à 900. Et ça obtue pupu Exi qui peut juste tuer le tout. Faire éventuellement un détour et claquer une pupu dans Farman.
Ok, c'est pas ce qu'il décide de faire. Des robats peut-être? Des robats serait pas mal. Hein. Une dérobade crit là. Oh la vilaine dérobade crit. 584 du poison là. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai que la ronce insolente existe. C'est bien joué. C'est bien joué, ça vient prendre la zone. Ça vient prendre la zone, ça vient tabasser ici qui a 1600 HP. Cette fois-ci, ils sont un peu plus en mauvais point du côté Olympus. On a Xor en 7 qui peut aller mettre une cohue, qui va peut-être aller la claquer maintenant. C'est peut-être le bon moment. C'est peut-être le bon moment d'aller claquer la cohue. Ok, ça décide pas ça. Ça décide de claquer une. une petite retraite anticipée. Et Kempa qui peut pas faire non plus énormément de choses. Qui tente une arachnée crit, encore une fois, qui passe pas. Qui se maîtrise des arcs. Qui met une kawotte. Pour une éventuelle ligne de vue. Pomme qui a tout de suite Pyrolito en ligne de vue pour le coup. Et qui lui a mis 700. 500 sur le premier, 288. C'est une grosse, grosse diff, hein, quand même. Pyro qui cherche à du coup à se régénérer un peu avec des folies sanguinaires. Il y a moins de mid HP hein, pour le coup. Il a sacrifié l'arbre et Farman. Ok, ça peut le mettre dans la merde par contre. Ça peut clairement le mettre dedans. Xe qui cherche à se régénérer un peu. Oh, et l'arachné crit. L'arachné crit qui fait son travail surtout cette fois-ci. Elle est bien passée. Par contre, Farman, du coup, qui a retrouvé ses PM et qui peut s'en aller. Qui va manger cette arachné majeure. De remettre un coup de bâton qui vient retirer les PM de Xi et qui vient remettre un dernier coup de bâton dessus. 200 au rhizome. Xi qui a 1660 HP. Pyrolito 2004. Xor à qui il manque un PM. Ok, qui se débuffe tout de suite. Qui va peut-être venir chercher une cohue maintenant, du coup. La cohue, il l'a sur Kempa. Kempa qui jouera pas son tour. La boîte de Pandore qui donne des crits et pas du soin. Et Kempa qui est aussi un petit peu enfermé, hein. Qui va sûrement devoir claquer une TP qui pourrait être mené à devoir claquer une TP s'il le bloque totalement. Ok, ça lance une petite expi pour bloquer un peu Pyrolito, ça c'est bien vu, c'est bien joué. Faut l'empêcher un maximum de jouer. Et ça relance aussi la pupu. 1500 HP du côté de Pyrolito, 1600 HP du côté d'Excitation. Cette fois-ci, c'est clairement les Sacrieurs qui ont pris la sauce. Pyrolito, est-ce qu'il peut aller chercher à se cacher? Ok, c'est pas du tout ce qu'il va vouloir faire. Il va mettre des coups de tourelle dans Exit du coup. Oh là 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 là. 4 PA, il reste 4 PA pour Pyro. Il va se régénérer sur l'arbre de vie.
Maîtrise des dos après avoir tapé. Ouais, c'est dommage que... Mais je pense qu'on n'avait pas calculé tout de suite correctement. Xy qui est en 11 PA. Il lui manque un petit PM. Ok, il fait une dissolution. On va faire une transpo, dissolution sur Pirulito. Avec une attirance, il voulait pas rester à côté de Farman du coup. On voulait se mettre le plus loin possible. Par contre, il a pris très très cher notre ami Xor là. Il est passé de 3K HP à 2100. Ouais, il a pris quasiment 1000. Xor qui lâche sa libé quand même. L'appli YouTube Music propose des mix adaptés à... Ok, ça claque des petites maladresses sur Kempa. Ça cherche un peu à lui bloquer, à le bloquer quoi. Simplement. Ok, ça balance une protection aveuglante sur Pirulito. Ça fait son petit dévouement, ça balance des démotes. Ça retrait un peu PA sur Pomme qui passe à 9. Ça retrait sur Xor qui passe à 11. Ça se cache derrière un cadran. Par contre, Pirulito qui risque avec 14 PA de terminer l'excitation là. Ok, est-ce qu'il retire les dommages? Ça c'est bien vu. Peut-être qu'il aurait dû faire ça, retirer deux fois 20 dommages pour la baguette. Ça aurait été peut-être tout aussi intéressant. Après, est-ce qu'il arrive à détacler Xy? Ah, il a le retour de la pupu. Déjà, ça commence par essayer de se régénérer un peu. Au maximum de ce qu'il peut. Bon, on arrive quand même juste à 1400 HP. Et une pupu quand même à 596 à détacle. Et 238 à la trelle. Excitation qui est toujours avec son épée. Par contre, sur des contres. 11 PA. Est-ce qu'on va lui mettre? Je pense que oui, hein. Ça va être un peu le baroud d'honneur de Xy là. Ah, malheureusement, Pierrot qui prend pas grand chose avec les contres. Il prend vraiment pas des très très gros coups. Et ça crit pas aussi. Ça se maîtrise des bâtons de nouveau pour Farman. Et ça va continuer à tabasser sur Xor. Et ça EC cac sur le deuxième. Ça EC cac. Il lui restait 6 PA. Alors Xor qui a tenté le détacle. Et cette fois-ci, ça a pas marché. Enfin, pas cette fois-ci, mais ça a pas marché. Tout à l'heure, on avait vu que Farman s'était fait tacler par Xor aussi. Donc il devait être à peu près even en termes de... Oh là là, ça c'est bien vu. En termes d'agilité, on vient un peu retirer le tout sur Kempa. Et la pelle qui vient bloquer Kempa d'ailleurs, un petit peu. Mais il n'a pas grand chose à faire pour aller chercher l'excitation. Ça vient placer des horloges, 131. Va falloir cac, hein, mon cher Kempa. Si tu peux. Oula. Ok, les frappes du Xelor qui tapent toujours plus fort. Et c'est le premier kill du côté de Daytona. On se retrouve en situation de 2v3. Et pour Pomme, pour aller chercher une ligne de vue, ça va être très complexe. Avec ce Kempa qui se place juste devant. Ok, c'est bon.
275 HP pour Pyrolito. Qui a la protection aveuglante encore un tour après celui-ci. Ça va chercher Asile peut-être. Sur cet arbre, oui. Et ça claque des grands dégâts, des grands coups de trail sur Xor qui a 800 HP déjà. Et qui va certainement tomber ce tour-ci. Finito pour Xor. On se retrouve en situation de 3v1 déjà. Et malheureusement, je pense que c'est terminé du coup. Daytona qui remporte le deuxième. Oh la vache. La vache, Daytona qui remporte du coup le deuxième match. Enfin, le deuxième combat plutôt. Et on se retrouve à 1-1 dans le match du coup. Est-ce qu'il arrive à terminer Pyrolito? Et il arrive même pas à le terminer. Yes, c'est ça. BO3. On se retrouve sur la map X. Alors attendez parce que... Hop. Ok, on relance la prédit. Qui gagne? On relance la prédit, vous avez de nouveau 2 minutes. Bon! Et ben malgré le fait qu'ils aient rush, le fait qu'ils aient réussi à... Enfin, le fait que le Sadi ait changé de cac, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses. Le fait que le Sadi est passé au Rhizome, ça a permis au Sadi de plus tout simplement tabasser le Sacri qui essayait de le tacler depuis le début. J'ai parié sur 2 matchs. Comment ça t'as parié sur 2 matchs? T'as parié sur rien du tout 2 matchs. J'ai juste dit qui c'est qui gagne. Moi j'ai peur si tu comprends pas, si on se comprend pas frérot. Qui gagne, c'est juste qui gagne quoi. C'est pas toi qui fais les règles mon pote. Hein. Oh là là, toutes ces auras là. Toutes ces auras de gros Kiki Super Saiyan. Oh, du Vecento, ça fait si longtemps. Bon, ça va lancer bientôt. Ça va lancer bientôt. Tranquillement. Bon, on a 1-1.
Donc ça va être le match décisif. Ça va être le match décisif. Ah, ça va être le... Ouais, ça va être le combat décisif pour le match. Et la map cette fois-ci, elle ressemble un peu à ça. Donc il y a beaucoup plus de distance, ça peut être en la faveur du Kra. Mais le truc c'est que... Le truc c'est que ça peut également être en la faveur du Sadida qui peut jouer de loin. Et qui peut placer ses invocations, etc. Garder du tempo. Encore une fois, je pense que ça va chercher à rush le plus possible. Je pense que ça va chercher à se rush le plus possible. Mais bon, peut-être que je peux me tromper. En tout cas, jusqu'à présent, ça a été le... Ça a été clairement ce qu'on a voulu faire des deux côtés, hein. Vas-y, je vais aller faire le gros kiki à côté des potes, là. Mettre là. En vrai, le match est assez équilibré, ouais. Oh là 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 là, regardez-moi tous ces kiki alignés, là. Petite dédicace à Toriyama. Que des super saiyans. Aïe 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 aïe, c'est beau. Je vais mettre une petite coiffe Kitsu là. Oh là, on est beau. RIP la légende. La légende restera une légende. Aïe aïe aïe. D'ailleurs, j'ai vu que il y avait le dernier projet de Toriyama qui était sorti là sur je crois que c'est sur Disney. Viens par ici. Le créateur de Total Spies, ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Oh putain, chapeau de l'aventurier. Non, je prends pas. Ça améliore pas mon skill. Ça améliore pas mon skill, donc je le prends pas. Oh, let's go, la cap. Oh là là, vrai booner ici. Oh putain, Calyptus. Vrai booner ici. Oh là 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 là. Je suis un aventurier. J'avais prévu qu'il jette un truc, je pensais pas qu'il allait jeter ça. Regarde-le là, il se cache dans la forêt, le Shaitan là. Il est dangereux là.
Hop là, moi Calyptus. 5 en moins. Plus 26, bâtard. Tiens, je te le rends, frérot. Rends-le, reprends-le, reprends-le. J'en veux pas, c'est presque autant que ceux que j'ai moi. Oh non, Shaitan, putain. Quel enfer. Comment ça, laisse Shaitan, laisse mon pote là. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es jaloux? T'es jaloux parce que je m'amuse avec Shaitan? On peut s'amuser avec d'autres gens quand même. Aïe aïe aïe. YouTube Premium. YouTube Premium, ouais quand même. Ah, je crois que par contre le prochain. Ouais, y a genre Daft Punk et tout, oh ouais. Deadmau5, oh ouais. On va esquiver, hein. C'est quoi ça? Baguette Touka? Je connais pas. Je sais pas ce que c'est la baguette Touka. Je connais pas. Ça y est, les matchs se lancent. Oh, ça vient lâcher des gros pets là-bas là. Oh, c'est pas bien. C'est pas bien. Un peu de tenue. Respectez les joueurs. Aïe 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 aïe. Bon, les matchs vont commencer, ça y est, enfin. Ça va commencer, ça y est. Impatient de voir comment ça va se placer et comment ça va se dérouler. Ça pourrait se la jouer beaucoup plus de loin. Mais ça pourrait être totalement rush aussi. Faut pas oublier qu'on a deux sacris qui peuvent transpo coop aussi. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est en train de discuter tranquillement. Ça discute un peu. Mais ça va se lancer soon as possible, je le sens bien. J'avoue, j'ai déjà fait la prédiction là, mais j'ai été peut-être un peu vite en besogne. J'aurais peut-être dû attendre. Est-ce que je vous rendrai pas les trucs et on se relance? On va supprimer, rendre les points. Et on va recommencer la prédiction. Qui gagne? On est à 1-1. Et je le lancerai quand le match se lance, ok? T'as tout raté? Non, t'as pas tout raté, t'inquiète. On est à 1-1 là actuellement du côté. Du côté de bah, Olympus. Olympus Daytona. Ok, on a Pirolito qui commence
vraiment hyper devant et qui a mis une DD PO. Ça va, je pense, essayer de chercher à Transpo Coop. Ok, on a un chauffeur foulancier qui est lancé directement. Salut Mana d'ailleurs. Achète un Ruvis plus 10 mini. J'avais pas vu, bonne blague. Ok, le chaff qui est très bien dressé. La pub sur Twitch va me rendre zinzin. N'hésite pas à t'abonner. Ok, bon, ça a tenté un chaff, ça vient poser un bel œil de taupe sur tout le monde. Ça donne les PA. Et merci beaucoup Mr. Tanks pour le follow. Bienvenue à toi. Ça pose son petit doppel du côté de Kempa, ça file les PA, tout ça. Commence à stacker les protections avec Lante. Alors qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a changé un peu les res? On a 20% res haut pour le sacré de nouveau. On a de nouveau blindé toutes les res sur Farman. On a les mêmes res du côté de Kempa. Ouais, globalement on a gardé les mêmes res. Hein. Ouais, on a gardé les mêmes res. Ok, Pyrolito qui... à ronce insolente, enfin qui était ronce insolente, pardon, par Farman pour retirer tous les trucs de PO. Timing sur plus 13 en avant par contre, plus un doppel mais pas de connaissance de poupée sur le doppel, donc il va nous mettre des ronces. Folk a tenté de kill PM. La musique en fond, on dirait. Oh putain. Un truc Animal Crossing. Non, c'est Vecento Bird the Week. Bird. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est ça ou des pubs, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Xor qui enlève tous les inventements à Kempa. Ça, c'est bien vu, ça. Il est renseigné. C'est quelqu'un de renseigné. Des petits lancers de pièces aussi dans le doppel. Qui a pris une des invocations, évidemment. De toute façon, il est très très chiant, le doppel. Il y a beaucoup de kicks à cause de son cadran aussi. Et ça y est, on est parti pour la coop. Transpo, peut-être une four, quelque chose comme ça. Même pas. Si, on va la voir. Et d'ailleurs, il va y rester un tout petit peu, Xor. Attendez, je vais changer encore. On va repartir sur du Oracles. Ok, ça finit le doppel.
C'est maîtrise des arcs après, par contre. Ça se prépare. Oh, la première arc qui crit. Directement. Il y avait beaucoup de choses hein, sur Xor. Et le Shaft crit juste derrière. Ok, un beau tour du côté de Kempa. Ça, c'est les tours comme on les aime. Une petite horloge, mais qui va... qui va pas retirer de PA. Et ce Shaft qui commence directement à donner des PA. Et ça peut totalement troll. L'Arachné Major qui va pas désenvoûte. Si ? Quoi ? What the fuck ? Normalement, quand elle a des PA, elle préfère croûtage. Ah, mais là, elle pouvait pas parce qu'elle avait pas les PM. Ok, du coup, elle a mis coup de tête plus des buffs. Ok, oui, c'est vrai. J'avais oublié ça. J'avais oublié, mais c'est vrai. Parce qu'il faut le savoir, hein, dès qu'elle a les PA, l'Arachné Major, elle préfère mettre des doubles croûtages plutôt que de s'amuser à... Plutôt que de s'amuser à debuff les gens, tout simplement. Bon, du coup, Xor qui perd ce qu'il avait sur lui, hein, jusqu'à présent. Et Excitation qui a été obligé d'aller chercher son menu pour pas qu'il prenne la sauce. Ok, les PM qui partent très bien. Ça se protège avec un arbre, ça continue avec une gonflable, ça finit avec une folle, une maîtrise des bâtons. Ok, on sait que Farman est de nouveau, qui est de nouveau au bâton. Donc on sait que venir le tacler, c'est pas forcément la meilleure idée. Est-ce qu'on va changer les focus ou pas du tout? On va voir. Jusqu'à présent, du côté Olympus Health, ça a plutôt cherché à exploser rapidement Farman. Mais on l'a vu tout à l'heure, ça s'est fini rapidement sur les sacris en focus. Ok, ça va. La première pelle qui a pas des buffs, mais la deuxième c'est parti. Continue à se châtier du côté de Pierrot. On va faire attirant sur le chauffeur, détour réattirant sur Xor. Qui se retrouve, cela dit pas au cac. Ça va buff ses alliés. Par contre, il n'y avait pas de buff sur Farman. Si ? Non, il avait juste déjà pris tous les pourcents. Ok, c'est ça. Ok, Pomme, qui pourrait peut-être trouver une ligne de vue sur Kempa. Il me semble qu'elle l'a, non? Ok, on va plutôt taper sur Farman avec des gros coups d'Arcadie. Qui a pris quasiment 1500 HP avec ses coups et qui se retrouve déjà mid-life. Kempa qui va chercher à kick le plus de PA possible à Xor de nouveau, j'imagine. Ok, on est à l'arc. On a changé de cac du côté de Kempa également. Ah, je suis pas très très... Alors attendez, on va voir ce que c'est comme cac. C'est un Arcadie, ok. Je trouve pas que ce soit... Ah, je sais pas. je sais pas si je suis vraiment très fan de l'Arcadie sur Xel pour le coup. J'aime beaucoup le fait qu'avec la trail on puisse quand même kick PA dans une compo où on cherche où en tant que Xel tu cherches bah, justement à casser la tête le plus possible. Je trouvais que c'était intéressant. Ok, on va redonner un peu des PV à Xor. On va attraper Pyrolito. On va le garder pour nous. Ok, on a une herbe folle. Pomme qui a perdu un PM. Ça va libérer sa gonflable. Ok.
Ça met une caouette sur le côté, ça la mange un peu. Ça se grignote la caouette, j'ai envie de vous dire. Et le Doppel qui invoque pas toujours, qui a toujours pas la connaissance des poupées. Qui préfère mettre des ronces, hein. La folle qui aura pas de ligne de vue, si? Ah si, ok. On voyait pas bien. Ok, ça retire un PA pomme. Ok, Xor qui balance la maladresse de masse. Qui tue une gonflable. Pour virer les PM et aussi les peu de soins de vie que ça peut apporter. Qui va mettre une pelle animée pour mettre Kempa le plus loin possible. Peut-être une des invocations encore? Non mais. La pelle qui préfère faire des dopus et du coup qui va se mettre sur Farman. C'était pas le plan. Malheureusement, quand elle a les PM pour aller mettre des dopus, elle préfère faire ça. Pyrolito qui va continuer à soin Farman du coup. Maîtrise des baguettes, on sait qu'il est de retour du coup. Avec une baguette réelle. Il va chercher à se soin un peu. Il va peut-être essayer de détacle. Même pas. Ça va taper Xor qui va perdre un PA avec la trelle. 242. Par contre, on a remonté, c'est dommage. Pomme qui a pas tellement de ligne de vue. Ok, il y en a une sur Pyrolito. Il va la prendre et il tape. Il met tout. Avec un Arcadie neutre. Ok, ça a joué Arcadie du début à la fin du côté de Pomme. Un PA. Moins 2 et on vient mettre un petit coup de cac. Du coup, Xor est à 9. Il a 2 KHP. Par contre, l'arachné majeur qui réarrive doucement mais sûrement. Et qui va tabasser ce Chauffeur Fou Lancier. C'est mérité. Hein. Ok, Xi qui balance sa libé. Qui va donner un peu de vie à Xor de nouveau. Qui va placer Farman en fait, qui va le bloquer tout simplement, j'avais pas vu. Mais il se retrouve entre la pelle et le cadran. C'est bien vu, j'avais pas vu du tout. J'avais pas capté qu'il était juste dans l'angle là. Mais c'est bien vu du coup. Petit sacrifice poupesque, petit poison paralysant sur Xi qui crit. On vient terminer la caouette, mais on n'a pas terminé l'appel animé, donc il a passé tout son tour à essayer de se sortir de là. Et Doppel qui invoque toujours pas. Il met des petits dégâts, mais. Il fait rien de plus, c'est dommage qu'il n'ait pas eu de connaissance de poupée. Du coup, il n'intéresse pas tellement Olympus. Ok, une première pelle fantôme qui passe pas. Est-ce que ça va en relancer une? Je pense que c'est ce qui pourrait arriver. Ok, la deuxième crit, ça va. Tant qu'il y en a une sur deux qui passe, ça va. Dès que ça commence à faire du 1 sur 1, c'est un peu exagéré. Et par contre, quand on arrive à 5 essais avant d'arriver à des buffs, là, ça devient très très chaud. Non, je vais me faire strike encore.
Ok, il y a eu un petit topple qui a été invoqué. Qui est assez balèze, hein, celui-là, d'ailleurs. Plus le temps passe, c'est pire, c'est. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de Pomme? Je suis pas très fort, moi, pour les lignes de vue, mais il me semble pas qu'il en ait sur Farman, ou alors je me trompe complètement. En étant ici, ouais. Ou là. Peut-être qu'ici, il l'a en miroir. J'avoue, je sais pas. Attends, mais il a pas du tout de protection, Kempa, du coup. Ok, ça avoue que c'était le moment, du coup, de taper dessus. Il se remet sous contre. Je crois que le tour prochain, il y a le retour de la dévouement. Ça va chercher de nouveau Xor. En 2 PA. Ça commence par le ralentissement. Ok, elle a l'intention de mettre des ralentissements partout et puis ensuite de... Ok, rollback. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Je pensais qu'il allait vouloir mettre un petit coup de cac. Ok. Pourquoi pas. Il va sûrement essayer de relancer un peu le tout. Et de recancériser la map. Il y a peut-être un transpo coop qui revient bientôt aussi, tout simplement. Ok, on a ramené Kempa de notre côté et Kempa qui joue pas tout de suite. Pareil pour Pyrolito, il joue pas tout de suite, tout de suite. On a Farman juste en phase d'excitation du coup. Ok, là on s'apaisante qui est pas parti. Moins 4 PM du coup pour Xi. Et on rajoute une petite gonflable, il reste 4 PA. Et on met un arbre pour pas se faire attirer. Là il aurait pu avoir un attirant sur le chasseur fou, des tours réattirant sur Farman pour bloquer. Et du coup, on a Xor qui va jouer. Est-ce que Xor va juste taper? Ou est-ce qu'il va retraite éventuellement? Ça pourrait être un moment incroyable pour faire la retraite anticipée. Ça pourrait vraiment être un bon moment. Je sais pas s'il l'a tout de suite. Il faudrait peut-être se placer et retraite. Yes, c'est ce qui a été décidé. Il y a le sacrifice qui est lancé. Ça oblige le sacrifice de Pyrolito. Et ça se sacré. Ça commence à se châtier du coup, châtiment agile. Ou pas. Ok, ça va peut-être tenter une arachné crit. Ok, l'arachné crit est passée. Faut peut-être tuer la folle avant qu'elle fasse n'importe quoi, par contre. Bon, j'espère qu'elle va pas se tromper de cible. Et elle a fait de la merde. Bien joué à toi, l'arachné majeur. Oh, elle l'a fait dans le mauvais sens, putain. Ça recommence. Ça recommence, mais cette fois-ci c'est dans l'autre sens. Faut que je mette le point par contre. Pour pas me faire déco. Et Pomme qui perd 2 PA du coup. Oh, c'est chiant. De ouf. Cette arachnée a fait n'importe quoi. Oh, ça balance des aiguilles là. Oh là 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 là. Ça, c'est une belle aiguille ça. 90 quand même.
Ixi qui va lancer ses châtis, pareil, en crit. Ça change un petit peu quand même. Ça tue la gonflable, c'est bien. Faudrait peut-être chercher à se régène un peu du coup sur son chaff. En attendant. Peut-être qu'il a d'autres châtis à relancer, je sais pas. Ok, il a commencé à taper le chaffeur fou. Farman qui va chercher à se régénérer sur son arbre. Est-ce que la surpu, est-ce qu'il peut déjà la relancer? Ouais. Il me semblait aussi qu'il l'avait lancé au tour 1 ou au tour 2. En se mettant par là, donc on avait le retour. On a le chaff. On n'a pas tellement de chaff crit qui sont passés. On en a que un du côté bleu. Et un du côté rouge. Pour l'instant. C'est pas tant que ça. En vrai, peut-être tant mieux pour les deux équipes. Surtout pour Olympus L, j'imagine. Ça y est, ses connaissances des poupées, le Doppel. Mais qui savait pas quoi faire. Oh, par contre, elle a perdu 3 PA cette arachnée majeure. Elle va pas vouloir des buffs. Elle va juste vouloir taper une boîte de Pandore qui donne les PV. Et du coup, il n'y aura pas une tentative de chaff crit, je pense. Ok, ça va tuer l'arachnée. Oh, la belle désinvocation crit qui tue totalement ce Doppel. Ça se change, ça se maîtrise. Plus 3 PA du côté Olympus. Qui, comme il avait plus de PM, savait pas quoi faire, il a donné ça. Ça, c'est beau. Ok, ça a claqué la transpo. Ça cherche à tabasser ce chaffeur fou pour retirer 3 PA tout de suite. Ok, pas mal retour des CPM, hein, il me semble. Ouais, est-ce que Kempa a des choses sur lui? Il a juste le sacrifice. Est-ce qu'il y a un monde? Non, il n'y a aucun monde. Ok, ça donne le PO. Quoi? Oh, il reste 5 PV à la surpu. Oh, c'est dur. C'est dur. Ok, ça met des petites expi. Ça cinglante le... Ça cinglante Kempa. Ok, comme c'était le retour des PA sur l'arachnée majeure, elle a pu faire son coup de tête, croûtage. Et du coup, ouais, on cherche vraiment à tuer ce chaff. Hein. Les 3 PA qu'il a donné, ils ont pas du tout apprécié. Déjà, on en retire un petit peu. Et on plante une cahouette pour pas se faire attraper. Ça aurait été long, hein, cette... Ok, petite flamiche pour le tuer. Ça aurait été très très long, ce tour de pesanteur. Il est encore la Racine City ici. Il a mis des beaux coups en vrai. Bon, sur du 20%. Mais c'était quand même pas mal. Ok, on va le terminer. D'accord, sa puissance il lui reste la carotte carrément. Ça repose une gonflable.
petite folle. Ok, elle crit. Elle a donné 80 quand même HP. Hein. C'est quand même pas négligeable, hein, une gonflable. Hein. Sur le temps, ça fait vraiment le taf. Ok, bon, Xor qui peut de nouveau jouer. Et qui va tenter le debuff, c'est pas passé. Est-ce qu'il peut refaire le même move? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Du coup, on va mettre une cahouette pour se protéger. On va mettre un petit sac. Par contre, ça va prendre l'arachné majeur. Et Pomme sera pas dedans. Ok, ça va douloureux partager son Sadida. Ah, ce combat là il est important. Alors ça essaie de jouer au mieux. Il va y avoir une certaine pression sur les joueurs, faut pas l'oublier aussi. On a une map très aérée pour le coup aussi. Avec un peu d'obstacles mais beaucoup plus aérée, donc ça joue un peu différemment. On a eu deux rushs total tout à l'heure. Et là on est carrément sur autre chose pour le coup. Faut faire gaffe parce que le Doppel Sacri il peut totalement tacler. Ok, ça allait mettre un gros œil de taupe, ça a bien régène, hein. 311 HP quand même. Du côté de Pomme. Il y a Farman et Pyrolito qui l'ont pris du coup. Tant mieux, au moins, ils font pas ce qu'ils veulent. Okay, le chaf qui est posé, qui vient de donner direct les PA. Bien dressé quand même le chaf. Hein. Ok, on essaie de détruire celui-ci. Je sais pas s'il avait donné les PA lui par contre. En tout cas, Xi qui est très 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 loin de ses alliés. On va peut-être chercher à le bloquer. Ok, ça a posé un arbre de vie. Ça a mis un poison para qui a crit de nouveau. Un petit feu de brousse. C'est encore 6 PA. Code Lyoko. Pas vraiment. Mais je comprends, ouais. Ça ressemble un peu à Code Lyoko, mais c'est pas ça. C'est toujours Vashento. Il y a des petites airs. Il y a des petits airs, ouais, je vois ce que tu veux dire, t'inquiète. Ok, on s'est Axel, on a mis des invocations sur le Doppel. Ouah, l'appel fantôme qui te crit toujours pas, ça fait déjà 3, là ça commence à être long. Oh, la belle ligne de vue pour la désinvocation. Ça se replace. Là, ça commence à faire beaucoup. Ok. J'ai l'impression que ça a l'air d'être parti pour...
pour tabasser Xi, ouais. Ça lui met 3 gros coups de terrelle. Il est en 11. Et du coup, malgré le fait qu'il est... Ouais, en plus, s'il tape le Xel, là, le Xel va se retrouver tout de suite devant Xi. Il va pouvoir continuer Xi. Un peu terrible, hein, cette histoire. Et il y a un arbre de vie qui est posé pour Kempa. Hey. 64 HP. Le pomme qui est pas du tout feu, ça se voit tout de suite. Quoique, il a quand même 40% de chaff. Du coup, Kempa qui va juste pouvoir aller mettre des grands coups d'arc là-dedans, là, s'il veut. Il va aller se full soin. Oh, il a 16 PA encore. Oh. Oh, ça sent pas très très bon, cette histoire. Oh, ça régène tellement, il a récupéré 1000 PV sur cet arbre de vie. Oh, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Est-ce que Xi peut sortir de là? Est-ce que Xi peut sortir d'affaire? Yes, il a coop, il est allé voir ses potes, il a mis une petite douleur partagée. Il va falloir qu'il essaye de se régénérer maintenant. Ok, il a tué le sac avec des folies. Je pense qu'il dérangeait plus qu'autre chose, c'est pour ça qu'il a pris le focus. ...2650 HP contre 3100. Ok, on a une autre gonflable qui est sortie. Farman qui aime bien se bloquer derrière cet arbre. Et qui est toujours full life pour l'instant. Bon, toute l'équipe rouge, du coup Daytona est full life, ou presque. Et du côté bleu, Olympus. On a Xi qui est mid life au petit pupu. Contrairement à Pyrolito, lui qui est pas long non plus, hein, mais qui est deux tiers life. On va dire qu'il est un peu mieux. Ok, ce chaf lancier qui est enfin tué, qui avait donné 3 PA. On va faire un peu le ménage du coup. Est-ce que on va peut-être tuer aussi le cadran? Non. Ok. J'avoue qu'on n'a pas encore vu de Coru passer. On a vu une retraite anticipée, mais on n'a pas eu de Coru. Ok, on a la coop qui est repartie. Xi qui est reparti du côté adverse. Et la transpo. Et puis Pyrolito qui se régène un petit peu dans cet arbre de vie. C'est pas le meilleur truc, hein, pour régène du côté... Avec une folie sanguinaire, mais bon. Ça reste quand même tranquille. Et surtout, ça permet de le descendre un peu au cas où quelqu'un d'autre en profiterait. Il est toujours sacrifié, ça, lui. Hein. Ouais, dernier tour. C'est un Arcanemaster qui a pas été très très utile, hein, pour l'instant. Pousser le cadran, pourquoi pas. Et Kempa qui va sûrement aller. Qui va sûrement continuer avec Xi. Qui lance la TP. Qui va pouvoir aussi mettre les PA.
Voilà, c'était sûr. D'ailleurs, l'épée volante, je crois qu'elle peut taper une fois de plus, hein. On vient retrait PA. Moins 1, moins 2. Ok, 6 PA de perdu pour Xy qui est en plus que 7 PA. Est-ce qu'il a la coop de dispo pour repartir encore une fois? Yes, il l'a. S'il avait un PA de plus, il aurait peut-être eu le temps de. Il aurait peut-être eu le temps de mettre une punition. Mais là, il pouvait pas le faire. Qui a bien tué cet arachné majeur. Ça commence à être chaud, ouais, effectivement. On commence à perdre un petit peu l'équilibre, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Clairement, je pense qu'il peut encore se passer des choses. Il peut vraiment encore se passer des sacrés trucs. Si on se protégeait avec un arbre, c'est tellement toxique quand même, hein. Sadida, c'est abusé. J'ai vraiment du mal avec cette classe, moi. Après, c'est un Lenny qui vous dit ça, mais. Par contre, ça fait 6 pelles qui passent pas là, 6 pelles fantômes, ça commence à être un petit peu. Pardon. Revenons à nos affaires. Bon, cet arbre de vie qui n'en finit plus, hein. Voilà, merci. Enfin terminé. Et par contre, Pierrot qui a 3 cassettes. Qui a lancé un petit détour, maîtrise de baguette. On est d'accord, hein, l'épée volante, elle peut taper deux fois du coup. Mais n'empêche, les découpages sont pas si dégueux, hein. Ça fait ces petits trucs. Pomme qui est un petit peu tenue en laisse, je trouve, perso. Pour l'instant, qui a pas truc, qui a pas su trop mettre des dégâts et qui cherche une ligne de vue, je pense, sur Farman. Pas sûr qu'il ait trouvé là, malheureusement. Ok, il a trouvé quelques petits dégâts avec une flèche explosive, avec une Diago. Alors, j'ai dit qu'il a pas su trouver des dégâts. Il a pas pu briller. Ça y est, ça va aller sur mes côtes. Ça va aller sur mes côtes, c'est parti là. Hop là, les moins 2 PA qui partent. Les moins 2 qui partent. Et le double Xelor qui est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Il a la protection aveuglante. Ok, le double qui a FC, il va pas ce tour? Non, ok. C'est Vecento, attention déficit. Ok, on a eu des PA qui sont de retour. Ça fait du bien pour Olympus. Ok, on a le retour du Doppel. Cette fois-ci, il a la connaissance des poupées. Il y a la surpu qui est de retour aussi. Putain, mais la surpu, j'ai l'impression de l'avoir tous les deux tours. On n'en peut plus de cette surpu. On n'en peut plus. Allez-vous-en, madame. Allez, dans 3 heures, on se retrouve. Et Doppel Sadie qui invoque, qui met une bloqueuse, une folle,
La folle qui va trouver rien du tout. Ouah, frérot. Il y a 8. Sans déconner, il y a 8. Au moins 8 pelles fantomatiques qui sont pas passées là. Là, ça devient trop. Comme je dis à chaque fois, quand il y en a. Si ça passe en 1 sur 1, c'est abusé. Mais. Ça peut passer à la première, c'est pas un problème. Mais quand il y en a. Quand il y en a autant qui aussi, c'est. Enfin, qui marche pas plutôt. Ça devient vraiment abusé. Là, ça commence vraiment à être exagéré. Ok, bon, on a Pierrolito qui va faire un peu de soin du coup sur Farman, qui va essayer de se régénérer un peu aussi. Là, par contre, on doit avoir une ligne de vue d'ici, non? Ok, on va chercher la surpu. Ils ont bien raison, il faut qu'elle parte vite. Il me semble qu'il a la ligne de vue là. Ouais, voilà. Ça vient kick 3 PM. Ça peut remettre une harcelante à la limite. Ça pourrait se faire. Ok, ça va se donner des dommages. Ok, Kempa en 15 PA, qui commence à mettre ses démotes sur tout le monde, et qui regagne tous les PA à chaque fois qu'il pose une démote, ça c'est important, ça c'est là où on voit qu'on est un bon Xelor. Il a relâché son rollback. Ok. La vache, on a déjà le retour du rollback là, T12. On se réavance. Par contre, ouais, ok, bon, ça marche. Le match est plutôt intense, hein. Attends, quoi? D'accord. L'aiguille qui voulait absolument cette cavotte. Très bien. Après, ça redonne du tempo un peu à Xi, on va dire. Oh, par contre, il y a 3 cadrans du Xelor en place. Le jeu est quand même vachement posé hein, du côté rouge. Et Pomme, il est en 16 PA. Ok, ça transpo. Ça va commencer à passer sur Pierrolito. Oh, ici, qui s'en va si loin avec cette cavotte. C'est pas mal du tout, en vrai. Et Farman qui est loin. Hein. Farman qui est vraiment très très loin, du coup. Avec ce petit rollback qui est arrivé juste avant. Il vient nous poser simplement une petite gonflable, très très loin. Ça vient grignoter quelque chose. Un petit chaff. Et là, il est un peu exposé. Il va peut-être remettre quelque chose devant lui. Ok, rien du tout. Il n'y avait pas l'arbre, je pense. Pas encore de retour. Lui, il va commencer à invoquer le nouveau. Il avait la connaissance, hein, il me semble. Hein. Ouais, voilà. Ça va mettre folle béoqueuse. Un peu dans le mauvais ordre, je dirais, mais bon. Et là, on peut avoir un vrai tour, ouais. Effectivement, comme ça dit dans le chat, il peut y avoir une courue qui part. Il peut y avoir une courue qui part et ça peut aller très très vite. Ça fait une retraite anticipée pour commencer. Ça fait une petite retraite anticipée. On n'a pas réussi à debuff, mais là on s'en fout un peu. Pierrolito qui est juste là et qui va attendre de se faire cogner un peu, je pense. Il va peut-être pouvoir mettre une cavotte devant lui. Et encore.
Et encore, peut-être une... Si, il y a peut-être le moyen de mettre une épée volante. Pour se cacher éventuellement un tout petit peu. De Xor pour tout à l'heure. En tout cas, on va commencer par ce full regen. Et on kick un PA à pomme. On kick même deux PA à pomme. Ok. Moins 1200 et ça a pas crit avec son Arcadie. Oh oui. D'accord. Il reste 4 PA. D'accord. Et ça met des imos. D'accord. Moins 218 les imos. D'accord. 20% de raise. C'est vrai que... C'est vrai que ça joue. Ah, il a pris un très très gros, très, très gros tour. Et là, Kempa qui va rien pouvoir faire. Il est bloqué, tenu en muselière. Il est tenu en laisse, le Kempachi. 12 PA. Ça va devoir F1. Ah, ça joue les petites aiguilles. Les bons souvenirs. Les bons souvenirs du... Oh, ça joue les aiguilles. Et ça retrait PA. Ça, c'est vraiment les bons souvenirs. Xel bas level. Ça, c'est une dinguerie. Je me souviens quand j'étais map aggro contre Dexel à cette époque. À une certaine époque, ça faisait ça. Ça jouait full aiguille, ça jouait de loin. Ok, 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 ok. Bon, Exi qui va continuer sûrement à se régénérer, à boost ses potes aussi. Petite dissolution, ça fera du bien. Il devrait peut-être taper... Ok. Il a peut-être pu mettre une racine... un coup de racine là-dedans. Ok, ça se debuff du côté de Farman. On debuff aussi, je crois, peut-être les PA qu'il a reçu. Non, il a pas reçu de PA de Kempa. Ça va claquer un poisson paralysant dans ici. En crit de nouveau. En vrai, il y a un monde où Xor il tue. Il hein. Y a un monde où Xor il tue. Ah, ça s'annonçait pas très très bien pour Olympus, mais bon. Après, là, il peut lancer une courue, taper, et Pomme terminera. C'est très très bien aussi. Oh, ça vient porter ses couilles, hein. Ça vient porter ses couilles. Ça lance pas une courue. Ça lance aucune corruption. Nos courues. Ici, on n'a pas besoin de courue pour tuer. On n'a pas besoin de courue pour une game. Il n'y en a pas eu une seule de lancer. Oh, le chaf crit pour continuer tout ça. What the fuck, Farman. Farman est la prochaine cible, mon pote, je te le dis. Oh là là, la dinguerie n'empêche. Les couilles en béton. 4 PA. Flèche pupu. Là, je pense que... Là, je pense que... Je pense que ça va être one-sided. Je pense qu'ils pourront pas arriver à tuer Exi. Je pense qu'on va avoir un 3-0, là. Même si Kempa est très, très bien. Après, il peut toujours y avoir des arnaques malgaches, mais... Ça m'étonnerait. On a toujours cette courue qui est armée. S'ils veulent encore enfoncer le clou en 3v2, ils le peuvent s'ils veulent. L'arnaque malgache n'aura pas lieu. Il vient se protéger un petit peu. Exi qui est quand même à 2k HP, hein. Faut quand même qu'il fasse, qu'il se fasse un peu attention à lui, mais ça devrait bien se passer, sachant qu'il n'y a plus de debuff. Ça détourne, ça met des petites dissolutions.
On a récupéré 144. Et il a gagné 80 de nouveau, mais il a perdu 183 des poisons. Sans le sacri, Rox moins Kempa. Ouais, forcément aussi. Ouais. Forcément aussi. Ça vient kicker un PM sur Pomme, mais qui est en 4, en 16-4. Je reconnais, ça, c'est de l'opti. C'est de l'opti. L'opti que j'aurais jamais, ça. Need crasses pour aller taper mes captures crack. Aïe aïe aïe. Bon allez, à dans 2 heures quand toutes les poupées auront joué. Ok, ça s'avance, ouais, bim, boum, bam. Ok, ça s'accélère un petit peu du côté Xor. Ça commence à lancer des petites désinvocations. Une première, une deuxième dans le cadran. Est-ce qu'on peut avoir un jour... Non, mais même pas, il va même pas y aller. Hein. La chorus sur Kempa. Ah, il avait juste les PA pour faire tout ça. Il avait bien réfléchi à son tour. C'est très très bien vu. La Koru qui va clôturer ça, je pense. On va full matraquer Kempa. Qui a rien du tout sur lui. Une pupille peut-être. Je sais pas s'il a téléchargé. Je ne sais pas. En tout cas, il vient de lui mettre 1000 dans la tête, là. Ok, ça pose une cahouette pour se protéger un petit peu. Et le retour des PA. Et ça lâche le GG. GG les teams. Beau match. Et Kempa qui se laisse tuer. Peut-être. Et non. Voilà ce que l'histoire retiendra. Daytona a sorti plusieurs équipes Olympus. Mais pas Olympus Hells qui vient chercher Daytona et qui vient terminer tout ça. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Olympus Hells qui venge toutes les autres équipes passées. Incroyable. Incroyable. Et du coup, il se qualifie, il me semble. Il se qualifie. Incroyable. C'est très beau. GG à eux. Bon, et ben voilà, c'était des beaux matchs. Alors attendez, juste que je redistribue les points, choisir la réponse. Olympus qui gagne. Olympus qui a gagné du coup. C'est parfait. Bon, ben on a eu quelque chose de bien. On a eu quelque chose de très bien ce soir encore. Bon les gars, moi, ce soir, je voulais faire un petit live quoi qu'il se passe. Je voulais juste stream ce match-là. Je pense que je vais vous envoyer du coup chez Slap. On va pas chez ces Slap. Hop, hop. Je sais pas s'il y a encore des matchs en cours, mais je pense que oui. Vous allez sûrement vous retourner... vous allez sûrement vous retrouver sur en plein milieu d'un match. En tout cas, merci beaucoup pour tous les follow. Merci beaucoup d'être venu. J'espère que le match vous a plu. C'est pas moi qui vous ai proposé du jeu, c'est les joueurs. Merci à Daytona, merci évidemment aussi à Olympus. Moi j'étais juste là pour couvrir un petit peu. Normalement si je peux continuer à faire les casts, je continuerai. Et voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Ciao les gars, bonne soirée. C'était Taratsu.